السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى وفي درس جديد من سلسلة تهيئ امتحانات البكالوريا أحرار. وبعد ما شفنا تلخيص نتاع كونديد للكاتب فولتير، شفنا الجزء الأول ثم الجزء الثاني والأخير. اليوم غادي نتفرغوا للمواضيع اللي هضر عليها الكاتب في كونديت. فاصل قصير ونواصل. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les thèmes qui sont abordés par Voltaire dans Candide. الوغ هاد لي تيم بيان سور لي هما المواضيع. وقبل ما نبداو بعض لي فلاش لي مهمين في الاول. دونك كوم اون ديجا دي كونديد سي تان كونت فيلوزوفيك، سادير بحال الحجايه اي فيلوزوفيك. بوكوا؟ باسكو اون ديجا دي كو ايلي اون تران دو ديتروير اون ايدي، دو ريفوتي اون ايدي، وباغي يحطم ديك الفكره تاع توت اي بيان dans le meilleur des mondes possible de la philosophie allemande. Bien sûr, c'est un conte qui est écrit au XVIIIe siècle, par Voltaire, qui est écrivain et philosophe français. Deuxième information, c'est une satire. C'est-à-dire, si on prend tout le roman, c'est une satire. C'est quoi la satire? C'est une critique. Il y a une ironie, il y a Sukhriya. C'est une critique, et Voltaire dans cette œuvre critique les thèmes suivants. On va commencer par le thème numéro 1, il critique à la bourgeoisie. Alors, quand je parle de la bourgeoisie, le bourgeoisie, enfin les nobles, donc c'est une critique qui est très très dure de la bourgeoisie. Par exemple, dans l'Incipit, l'Incipit, le chapitre numéro 1, ou l'ouïl du roman. Dans l'Incipit, quand il présente généralement les principaux personnages, il parle de monsieur et madame la baronne. Tout le monde respectait madame la baronne. La baronne. Pourquoi on l'a respectée? Parce qu'elle était grosse. Et elle pesait 150 kilos. Il y en a qui ont été 150 kilos. C'est pour cela, c'est pour cela que tout le monde l'a respecté. Donc, c'est une argumentation par l'absurde. C'est-à-dire, le château de monsieur le baron était le plus beau château du monde. Dans le château de Gounal-Qal'a est le plus beau dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a des portes et des fenêtres. Des portes et des fenêtres. Puis, quand monsieur le baron riait, tout le monde riait. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Voltaire est en train d'ironiser. Les bourgeois. Et puis, quelquefois, quand on a des problèmes de remonter quelqu'un à son origine, bien sûr, c'est comme s'il n'est pas noble. Donc ici, c'est une critique de la bourgeoisie. Deuxièmement, il critique les rois d'Europe. Les rois d'Europe... déjà dans le chapitre, je pense, 2 ou 3, il y a une guerre qui éclate entre les Abares et les Bulgares. Les Abares, c'est un mot qui est inventé, les Bhtar'o Voltaire. Quelqu'un qui a rapporté les Arabes, où il a fait un jeu de mots, où généralement c'est un mot qui est inventé. Alors donc, il y a eu une guerre entre les Bulgares et les Abares. Quelle est la cause de cette guerre? On ne sait pas. Il y a beaucoup de morts,
des milliers de morts, élèves de Mouta. Et chaque soir, quand la guerre s'arrête, parce que la nuit tombe, les neuf lignes mécaniques de l'Harb, quand la nuit tombe, la guerre s'arrête, chaque roi va chanter le Tédum avec sa troupe et avec les hommes de religion. C'est-à-dire que tout le monde va dire bhal aghani nta din salat ala al muta ala hadouk li matou. Et le lendemain matin, la guerre recommence. Pourquoi il y a cette guerre? Personne ne le sait. Troisième thème de Candide, c'est la guerre. Alors, la guerre, il dit, c'est une boucherie héroïque. Déjà, le mot boucherie, mzara botolia, c'est une boucherie héroïque. Bien sûr, il y a deux mots qui sont opposés à 100%, c'est une figure déjà du style. C'est une boucherie héroïque. Wesh le mzara fi hal botola. Donc, ici, pourquoi il a coordonné entre ces deux mots, l'a agencé entre ces deux mots, c'est pour se moquer de la guerre. Dans cette guerre, tout est permis. C'est-à-dire, kulchim smouhbi, égorger, tuer, violer, l'artisab, éventrer, et on a des tableaux atroces. C'est-à-dire qu'il y a des méchahides, les saïb l'insan, ou qu'un film saïb l'ichoufa. Par exemple, des femmes éventrées, leurs enfants accrochés aux mamelles. C'est-à-dire qu'il y a des kerdaou, aux mamelles ensanglantées. Les saints, les dîmes qui sont les noms, mais c'est des drari kerdaou. Ça veut dire des mamans qui sont déjà mortes. Des cervelles. La cervelle, c'est-à-dire des crânes, le jumjuma, qui ont éclaté, et il y a des cervelles partout. Donc là, c'est un tableau qui est atroce de la guerre. Et pour dire que cette guerre-là, pourquoi on l'a fait, on ne sait même pas pourquoi on l'a fait. Et le résultat, c'est les milliers de morts et de femmes, de vieux, qui sont morts, qui sont violés de part et d'autre, c'est-à-dire dans les villages abars et aussi dans les villages bulgares. Alors, quatrième thème, c'est la religion chrétienne. Alors, dans ce roman, Voltaire critique d'une manière qui est très très dure la religion. Au nom de la religion, c'est-à-dire bism din, au nom de la religion, on se permet tout, c'est-à-dire qu'un kulchi msmouh. On peut condamner quelqu'un, on peut condamner quelqu'un à la mort, si il a une femme qui est très belle, ou il a un jardin qui est très beau. Donc la brinette c'est na mchi wahed li ndo mra li zwina ou ndo chi jardin li zwina, donc on va dire que c'est un mauvais croyant, انه ماشي مؤمن. Alors Candide et Pangloss sont arrêtés par l'inquisition. L'inquisition li qulna huma mahakim tftish li kanat nda wahed le pouvoir qui est énorme et très dur dans le 18e siècle. Pourquoi on a arrêté Pangloss et Candide? Pangloss a été arrêté parce qu'il a parlé. Donc on va le condamner à la pendaison. Candide a été condamné à être fessé, c'est-à-dire qu'il a darbo les fesses plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. La religion fait tout ce qu'elle veut. Au nom de la religion chrétienne, c'est-à-dire Bismuddin, on a tué ce qu'on appelle les sauvages en Amérique du Sud. C'est-à-dire que les gens qui sont sauvages, ils sont les gens qui ont la dîme, les tahaja. On a tué donc des sauvages en Amérique du Sud, on les a torturés.
Le pire, c'est que le grand inquisiteur, le grand inquisiteur, c'est-à-dire celui qui met le canisa, le muftish l'oul, les normalement c'est le symbole de la religion, l'exemple de la bonne religion, qu'est-ce qu'il fait? Il se partage cunéconde avec un juif. Cunéconde, les chfnehaf, l'hiya, bien sûr, c'est la fille de monsieur et de madame la baronne. Il se partage cunéconde avec un juif, avec le marchand juif, dans Issachar. C'est-à-dire, hada rajoul din, qui met le din, ou qui est chassem, m'a wahed, cunéconde, l'ijbetou. Quand l'inquisiteur a vu cunéconde, tout de suite, il s'éprend d'elle. C'est-à-dire, bien sûr, et il va se la partager. Alors, donc ça, c'est une critique qui est énorme de la religion. Puis, on a l'autre thème, c'est le regard de l'homme envers la femme. Qui fait rajul qui échouffe la mara dans le 18e siècle et surtout dans le roman de Candide. Ce qui intéresse l'homme, ce qui intéresse plus l'homme chez la femme, c'est son corps, le jisme. Candide lui-même est attiré par la beauté et par le corps de Cunéconde. Pangloss est attiré par Paquette. Il a une relation sexuelle, un de la Kajinsiem à Paquette, parce qu'il l'a attiré. Quand il arrive à Buenos Aires, le gouverneur de Buenos Aires voit Cunéconde et il veut la voir. L'inquisiteur veut la voir. La vieille femme, c'était la fille d'un pape, le baba, ou le baba, ou le sultan, l'élève d'un messie, qui était, chaque fois qu'on la voyait, on la violait. Quand tu as dit, c'est pour moi que je vois. Et il est vendu d'une personne à une autre, toujours pour sa beauté. Alors donc, ce qui intéresse l'homme, ce n'est pas la mentalité de la femme, mais seulement le corps de la femme. Autre thème, c'est l'esclavage. L'esclavage lié à l'ouboudia. Quand Candide et son ami voient, rencontrent un noir, un esclave, avec la main coupée et la jambe coupée. Candide, il pense, c'est-à-dire, voilà le sort des esclaves, c'est-à-dire, on lui a coupé la main parce qu'il a voulu voler pour manger. Il veut se sauver, on lui coupe la jambe. On a dit là la situation des esclaves en Amérique du Sud. Ou voilà le passage ironique. Le passage de fait Soukhria, il a dit les princes, d'une manière générale, Omara, ont raison, c'est-à-dire non ça. Parce que comment ça se fait que Dieu, qui est très sage, comment Dieu, qui est si sage, a donné une peau noire à quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est bon. C'est-à-dire, Allah, bima anna Allah hakim, a'ta loun l'khel l'ouahed li normalement, c'est comme ça, mais imkinch, et anna a'ta loun l'khel l'ouahed li khayb, wa li hada t'khadir dir fih li ajbik. Bien sûr, c'est une démonstration, c'est une argumentation par l'absurde. C'est-à-dire, là, كتبنا بلي راه تعليل ولكن هو تعليل في حد ذاته كضربوا في الساع لانه كيتحكم من الناس اللي مع الاسكلافاج. Puis on a le thème des apparences. Quand Candide arrive en Hollande, mais كيوصل لا هولندا, il trouve un prêcheur. Un prêcheur بحال نقولوا واحد فقيه كيحدث الناس. خصكم ديروا هذه مزيان للخير. عاونوا للأشخاص اللي خاصهم
Musaada, il faut aider les gens qui ont besoin d'aide, etc. Et Candide est heureux, parce qu'il est pauvre, il n'a rien, il n'a pas mangé. Donc, donc c'est quelqu'un qui est pieux. Pieux, c'est quelqu'un qui aime faire le bien. Il est allé lui demander la charité. Donc, et sa femme lui a jeté un seau où l'imran Sahad, le prêcheur, faisait l'aide sur les habits. Ça veut dire que les apparences, bien comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit, l'ébès, ne fait pas le moine. L'ébès, ma qui dire n'est pas le moine. L'ihya, ma qui dire n'est pas le moine. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas se fier aux apparences. Quand Candide est assis avec des gens, mais il pense à le duper, à le voler. Il critique aussi l'optimisme de Pangloss. Pangloss dit que tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire, c'est très bien. Et Candide, dans tout son voyage, bien sûr qui est imaginaire, dans tout son voyage, va vivre des moments qui sont atroces, des moments qui sont pénibles, des moments qui sont difficiles. C'est-à-dire, par exemple, on a l'optimisme ou les apparences. Quand Candide est chassé du château, quand il est chassé du paradis, il a retrouvé, enfin, il a rencontré deux hommes au niveau, juge de l'absinthe qui soit Zarqa. Moi, je sais que ce sont des soldats. Ils l'ont fait entrer dans un cabaret, dans un bar. Il a mangé et il a bu. Ah, ces deux personnes sont très bons, sont très bonnes. Ils m'ont aidé. Pangloss avait raison. Le monde est, tout est bien qui est dans le meilleur des mondes possible. Mais ils l'emprisonnent et ils le mettent et ils l'enrôlent dans l'armée, c'est-à-dire des rubsifs dans l'armée. Puis, c'est-à-dire cette gentillesse, cet adab ou la geste zouine des soldats, cette gentillesse, normalement, a donné toujours ce qui est contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui se cache derrière la gentillesse. Puis enfin, c'est une critique de l'homme d'une manière générale. C'est-à-dire, presque, pas tous bien sûr, le vieux turc, Jacques, l'anabaptiste, mais généralement, la plupart des hommes sont assoiffés de fortune, de pouvoir. Assoiffés, c'est-à-dire le soldat, le flous, et pour l'argent et pour la fortune, il donne, pour le pouvoir, il donne tout. Et là, Selina, les thèmes qui sont abordés dans le conte philosophique de Candide. Nous avons dit que nous avons compris ces thèmes. Et ces thèmes, bien sûr, nous pouvons les faire, inshallah, les sujets d'expression écrits, par exemple, les apparences, le madahir, après qu'on a normalisé, il y a certaines personnes qui se fient aux apparences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent dans le madahir. Quel est votre point de vue? شكراً جزيلاً على انتباهكم. اليوم إذن سلينا مرة واحدة كونديد. شفنا الجزء الأول والجزء الثاني ودابا شفنا les thèmes qui sont abordés par Voltaire dans Candide. إن شاء الله بحول الله الدرس المقبل غادي يكون على il était une fois un vieux couple heureux. شكراً جزيلاً لكل المشاركين والمشاركات
في القناه نتاعنا. شكرا للتعليقات نتاع الاخوه والاخوات اللي كيشجعونا واللي كيطلبوا منا اننا نواصلوا. ان شاء الله سنواصل دائما معكم حتى نساليو هذا المقرر نتاع الباك احرار، ونوعدكم ان من بعد حتى نزيدوا كيفاش كنخدموا بعض لي نورماليزي ونخدموهم جميع. ما تنساوش انكم ديروا لايك، زر المشاركه، وتفعلوا دائما ذاك الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا جزيلا على انتباهكم، والى اللقاء في درس مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.